Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Mais alors je suis ultra contente de revenir dans cette nouvelle vidéo. Tout simplement parce que c'est une vidéo qui m'a pris un temps fou pour retrouver tous les produits. J'ai aucune idée de comment j'aurais appelé la vidéo parce que je sais pas trop où je vais aller. En fait j'ai devant moi, on peut appeler ça une boîte de nostalgie. J'ai mis des mois et des mois à retrouver les produits que j'adorais il y a 8-10 ans. Après il y a des années différentes pour chaque produit, mais c'est vraiment des produits que j'adorais, que j'avais, mais il y a, ouais, franchement il y en a, ça va jusqu'à il y a 10 ans. Il y en a aussi que j'avais jamais essayé, c'était des produits où on en entendait parler partout mais c'était compliqué de trouver, ou alors j'avais pas forcément le budget de l'acheter. Donc je suis trop contente, j'adore les trucs nostalgiques du genre les musiques qu'on écoutait en primaire ou au collège, j'adore les réécouter, j'aime trop ce genre d'ambiance. Là je vais faire la même chose mais avec le maquillage. J'ai trop hâte, je vais voir si je les aime toujours. Je vais pas refaire exactement mon make-up d'il y a 10 ans parce que je changeais déjà souvent. Je faisais jamais les mêmes choses, mais en tout cas on va partir sur cet esprit là. On va faire un bond dans le temps, mais un bond en arrière, et on va se retrouver il y a 8-10 ans. Alors on va commencer, j'allais dire par la base, mais pas du tout. Il y a 10 ans je ne mettais absolument pas de base, je n'avais même aucune idée de ce que c'était. On va peut-être plutôt dire il y a 7-8 ans pour le make-up complet, parce qu'à 12-13 ans je faisais pas tout ça. Je pense que j'ai commencé, ouais, vers 14-15 ans à vraiment bien me maquiller, enfin bien, à vraiment en mettre beaucoup, on va dire. Alors, pour le fond de teint, déjà c'est le seul produit non cruelty-free de la vidéo, tout simplement parce que le reste c'est moi qui ai acheté. Je vais pas acheter n'importe quoi, par contre ça du coup c'est pas pour moi, et c'est exactement le produit que j'utilisais à l'époque. Déjà parce qu'à l'époque je me renseignais pas forcément sur tout ça, et puis surtout que j'achetais mes produits en grande surface, donc forcément on avait du Maybelline, du L'Oréal, du Bourjois, et j'achetais aussi toutes les marques du genre Avène, Roche-Posay, tout ça. Et du coup mon premier fond de teint c'est le Dream Matte Mousse de Maybelline. Je pense qu'il a changé de packaging parce que le packaging me dit absolument rien. Je crois que ça faisait une vague le packaging, si je retrouve je vous mettrai. Vous l'aurez compris, le fond de teint il est pas pour moi, donc là je vais m'en servir une fois puis je vais direct le donner à la personne. Ah mais il a pas changé d'odeur. Une odeur de cosmétique, donc c'est vraiment un fond de teint mousse. Pas d'éponge, pas de pinceau. Le fond de teint j'appliquais ça au doigt. La teinte c'est la numéro 5. Je pense que ça va être foncé. Oula oui, mais on dirait la couleur de mon t-shirt. Je pense, je suis pas sûre, mais je pense que déjà j'arrivais pas mal à choisir mon fond de teint. J'ai jamais mis quelque chose de trop foncé. Ah oui, mais la texture, c'est vraiment de la mousse, je m'en souviens. Oh là là. Oh là 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 là. Est-ce qu'il y a la compo? Non, il faudrait que je soulève l'étiquette. C'est du silicone. On dirait une base siliconée. C'est hyper foncé. Hein. Du coup, n'hésitez pas à partager dans les commentaires vos premiers produits make-up. Est-ce que vous les utilisez toujours? Est-ce que vous les aimez toujours? Franchement, mes premiers produits make-up, je les avais oubliés avant d'avoir envie de faire cette vidéo. J'avais vraiment trop envie de faire cette vidéo. Ouh là 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 là, c'est super foncé. En plus, en supermarché, il n'y avait pas de testeur. Je sais même pas si c'est toujours le cas, en fait. Puisqu'en supermarché, ils vendent principalement des marques qui sont pas cruelty-free. Franchement, je vais même plus voir le make-up, donc je sais même pas si c'est toujours pareil. Il me semble que oui, hein, mais il n'y a pas de testeur, donc ça c'est hyper pénible pour les teintes. Je déteste poser mon fond de teint au doigt. Par contre, ça lisse, on dirait que je suis en train d'appliquer une base floutante. Ce truc est trop bizarre. Je suis en train de me dire que franchement, le résultat est pas mal. Limite, j'ai envie d'en acheter un. Je sais qu'ils en font chez... Ouh là 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 là, j'en ai mis trop et du coup, la racine de mes cheveux, ça fait catastrophe. Je sais qu'ils en font chez Essence ou chez Catrice, un truc comme ça. Franchement, je pourrais peut-être tester. Voilà pour le fond de teint, franchement... Bonne surprise, ça me donne envie de retester les fonds de teint mousse. Mais on a une texture, enfin ça fait comme les bases hyper siliconées. Mais en tout cas j'aime beaucoup l'effet poudré, il est pas hyper couvrant, hein, mais ça va. Par contre il est bien trop foncé. Au niveau du correcteur, j'ai retrouvé mais une pépite. C'est le produit qui m'a pris le plus de temps à retrouver, puisque c'est un produit qui a été discontinué il y a des années, et impossible de le retrouver sur aucun site. Je l'ai trouvé sur Vinted, j'ai trouvé des produits sur Vinted. Alors les produits sont neufs, hein, ça se voit, mais qui avait... Le All Over Cover Stick. Je vous en ai parlé dans ma vidéo ELF justement. Et depuis que je l'ai reçu, j'ai trop envie de le tester. Oh, purée, avec cette odeur. Un peu d'agrumes. Déjà à l'époque, je crois que j'étais pas hyper fan. Là, j'ai pris la teinte. Bah, j'ai pris ce que j'ai trouvé sur Vinted surtout. Apricot beige. Et il me semble que c'était ça. Je l'appliquais au doigt, évidemment. C'est une texture très grasse. Et je l'appliquais du coup en correcteur. Ouais, non, mais je suis sûre que c'était ça la teinte. Mais du coup, c'était pas ça la teinte de mon fond de teint, hein, parce qu'il n'y avait pas une différence. Je suis en train de me demander si je mettais pas le correcteur avant. Là, comme il y a une différence de teinte, je vais être obligée de repasser mon fond de teint par-dessus. C'est drôle à réutiliser, mais c'est pas un produit que j'aime particulièrement. Vous voyez, il est pas hyper couvrant. Je vous fais une revue comme si vous alliez l'acheter. Hein. Il est même plus dispo, puis je vous le conseille pas de toute façon. Mais les produits ELF, j'en achetais beaucoup parce que c'était des produits qui étaient pas chers du tout. Les produits étaient à 1€. Ça, c'était 1€.
Moi, du coup, avec les frais de port, les trucs sur Vinted, je crois que chaque produit à 1 euro m'est revenu à 6 euros. Mais bon, j'avais trop envie de tester. Je m'arrête là, j'en mets pas sur les cernes, parce que je ne mettais pas d'anti-cerne. Par contre, je montais le fond de teint là, du coup, je l'ai pas fait puisque j'avais oublié, mais je montais bien le fond de teint jusque là. Et sur les paupières, j'en mettais partout. Et puis aussi, ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'époque, il y a 10 ans, en France, il y avait vraiment pas autant de marques de maquillage. Il y avait les marques qu'on trouvait en supermarché, il y avait les marques en parfumerie. Et quand je dis parfumerie, Sephora, déjà moi j'avais pas Sephora dans ma campagne, j'avais que Nocibé et Mariono. Mais Sephora, il n'y avait pas Anastasia, Kat Von D, Fenty, tout ça. C'est arrivé super tard. Il n'y avait que les grandes marques, Dior, Chanel, Dior. Après d'ailleurs, en fond de teint, j'ai longtemps acheté le teint Idol Ultra de Lancôme. Je l'aimais bien parce qu'il avait la teinte, je crois, 005. C'était une des seules marques qui faisait des teintes vraiment claires et je galérais à trouver ma teinte. Voilà pour le teint. Du coup, ça ressemblait à ça. Pour fixer, je vous en ai parlé, mais j'utilisais la poudre ELF, la Complexion. Mais c'est ça, Complexion Perfection. Elle s'appelait comme ça, l'autre jour je cherchais le nom parce qu'elle s'appelle plus du tout comme ça. Ça revient, j'ai les réflexes qui reviennent. Et donc là sur cette poudre là, je prenais toutes les couleurs, sauf la bleue je la voulais pas. Je prenais du vert, du jaune et du rose et je poudrais tout mon teint. Du coup je vous l'ai dit l'autre jour quand je retestais les produits que cette poudre finalement je l'aime bien. Par contre je trouve qu'elle blanchit un petit peu le teint. Aujourd'hui c'est plutôt pas mal qu'elle fasse ça. Mais c'est vrai que je pense qu'elle s'adapte pas à toutes les peaux. Poudre de soleil, j'en mettais pas. Je sais pas si c'est que c'était pas encore trop la mode ou si c'est que je savais pas utiliser. En tout cas, j'en mettais pas et j'avais peur d'en mettre. J'avais peur d'être orange et que ça fasse une démarcation. Par contre, j'ai mis du blush et regardez ce que j'ai trouvé sur Vinted. Trop contente. J'ai trouvé les deux blushs que j'avais. Encore une fois, c'est la marque ELF, mais les petits blushs à 1€ qu'on glisse. Alors attendez, faut que je retrouve comment on fait. Voilà. Qu'on glisse comme ça. Alors ça c'est le Innocence, il est très clair. Mais moi celui que je mettais tous les jours, c'était le Shy. Et je me demande même si dans mes premières vidéos YouTube, je m'en servais pas toujours. Vraiment je l'avais creusé. C'est un rose assez pâle que j'appliquais avec le pinceau ELF que j'utilise toujours. Hein. Franchement ils sont super bien ces pinceaux. Alors c'est un blush qui est super clair, qui objectivement est en fait trop clair pour moi. Mais j'adorais mettre ça parce que justement ça faisait un peu rose mais pas trop. Mais alors ça tient pas du tout, mais je l'adorais. Ça me fait comme un voile blanc tellement il est clair. Et là, le teint était terminé, c'était du rapide. En fait, le maquillage du teint, à cette époque-là, je n'aimais pas le faire. Je le faisais un peu par obligation, enfin par obligation, c'est moi qui m'obligeais. Hein. J'avais énormément d'acné, donc le teint pour moi c'était... Je pouvais pas sortir sans fond de teint, c'était pas possible. Je pouvais même pas me voir sans fond de teint. En fait, le teint ça servait juste à cacher mes boutons et après je m'amusais un peu plus sur le reste. Au niveau des sourcils, là j'ai pris un produit qui n'est pas celui que j'utilisais à l'époque puisque j'utilisais un fard de chez MAC que j'ai presque fini. Je me souviens quand je l'ai jeté, il restait juste les bords. Là j'avais reçu celui de Anastasia. Du coup j'ai rien racheté parce que c'est le même principe du coup, sauf que chez Anastasia il y a deux couleurs. Je vais utiliser la plus foncée et je faisais mes sourcils avec le pinceau eyeliner, mais c'est un pinceau énorme de chez ELF. J'ai même jamais utilisé ce fard. J'attendais de faire cette vidéo pour l'utiliser, voilà, et je remplissais mes sourcils. Je redessinais pas du tout, je coloriais ma ligne pour remplir les trous. Il est bien ce fard en fait. Mon fard MAC était beaucoup plus sec, il fallait que je mette beaucoup plus de couches. Ça c'était mes sourcils, ça prenait 2 secondes, mais je détestais le fait qu'il soit clairsemé comme ça. Je trouve que c'est un peu plus précis avec la pommade, enfin c'est plus précis. Base à paupières, la première base à paupières que j'ai achetée, c'est la Too Faced Shadow Insurance, mais je l'avais pas aimée et je me souviens que j'avais mis au moins 1 an à la terminer et je voulais absolument la terminer parce que j'avais mis toutes mes économies dans cette base. Elle devait être défectueuse, elle était biphasée. Mais en plus ça c'était un peu plus tard. Avant il y avait pas trop de base, en tout cas pas sous cette forme là. Dites-moi si je me trompe, mais avant on utilisait plus des jumbo. Et alors le jumbo Milk de chez NYX, mais tout le monde l'avait, tout le monde sauf moi, parce que moi il n'y avait pas de NYX dans ma campagne, donc je ne pouvais pas acheter de produit NYX. Donc là je me suis fait plaisir, j'ai acheté le Jumbo Milk de chez NYX et je vais l'essayer, avec 10 ans de retard, mais je vais l'essayer. Je pense que du blanc ça va être très blanc. C'est pas un blanc trop intense, ok j'ai compris pourquoi ça va fonctionner. C'est un vrai blanc, mais quand on l'estompe, il s'estompe bien. Non bah je comprends pourquoi ça fonctionne en base, ouais ça va marcher. De toute façon ça c'est un produit qui va me resservir, j'avais pas de crayon blanc. Il y avait aussi les Paint Pots qui étaient beaucoup utilisés à l'époque. Bah c'était beaucoup plus cher par contre, c'était les Paint Pots de chez MAC. MAC c'était très très tendance hein, il y a quelques années. Et alors en palette, une palette que j'ai pas utilisée. Je l'ai hein, je la conserve dans mes tiroirs depuis des années, mais je ne l'ai pas utilisée. Ça doit faire au moins 5 ans. C'est la première palette dans laquelle j'ai investi, c'est-à-dire j'ai vraiment mis... je crois que de mémoire elle était beaucoup moins chère, elle était à 40... 42 je crois.
Mais pour moi qui étais au collège ou au lycée, je sais plus, c'était énorme à sortir 42 euros. Donc j'avais économisé. La une, j'avais jamais pu l'acheter, et quand j'ai eu l'argent, c'était la 2 qui est sortie. Pour vous montrer les teintes, si vous la connaissez pas, bien que je pense que vous la connaissez, il y a des teintes que vous pourrez plus trop voir, parce que je les ai saignées, hein, les fards. Celui-là, gros trou, celui-là, il reste un demi millimètre pour avoir un trou, parce que je l'utilisais aussi beaucoup pour faire mes sourcils. Celui-ci aussi, il est carrément creusé parce qu'il était lumineux. Et alors, je vais utiliser les pinceaux que j'utilisais à l'époque. Je les ai gardés. C'est les pinceaux de chez ELF. Bon allez, on va se rapprocher un peu et puis on attaque le maquillage des yeux. Première étape que je ne fais plus du tout maintenant, mais que je faisais beaucoup, donc là je vais la refaire, c'est prendre le fard beige, celui-ci qui est le fard Foxy, avec un pinceau estompeur de ELF. Voilà pourquoi il y a un gros trou. Je l'appliquais vraiment sur toute ma paupière pour poudrer en fait toute ma base à paupières. Alors c'était un peu moins intense que si on n'avait pas poudré, mais déjà c'est beaucoup plus facile à estomper. Je voulais vous montrer, mais j'ai oublié l'autre jour, parce qu'en fait j'avais prévu cette palette, mais l'autre jour je suis allée chez mon père. Attendez, on redézoome. Je vois ma trousse de toilette, mais il y a des années, dans un des tiroirs. Je l'ouvre et je tombe sur ça. Alors je l'ai ramené. C'est une palette à composer soi-même. C'était grave le délire, on aimait trop faire ça. On dépotait les fards qu'on achetait, c'est-à-dire on les achetait à l'unité. On les décollait de leur truc. Enfin on les dépote, ça se fait toujours. Hein. Et donc à l'intérieur, j'ai une première rangée. Alors là c'est des fards Kiko qui sont faits pour. Vraiment, merde. On le voit, il fonctionne super bien. Là c'est des fards Kiko que j'ai dépotés et collés. Et alors là, c'est les fards Luminel de chez Yves Rocher. J'avais oublié, mais il y avait Yves Rocher aussi. On utilisait énormément Yves Rocher, enfin en tout cas moi. Déjà parce qu'il y avait une boutique à 30 minutes de chez moi, ce qui était proche. Est-ce que je fais un make-up avec les fards Yves Rocher ou est-ce que je fais avec la Naked? Je vais faire avec la Naked parce qu'en vrai, les fards Yves Rocher, je vous le dis, je mettais juste celui-ci. C'est un marron glacé irisé en coin externe et un beige irisé en coin interne. On va continuer avec la palette Urban Decay. Je vais prendre le fard Tease, celui-ci, que je vais mettre en creux. Oh, je pensais pas que c'était pigmenté. J'avais oublié que c'était pigmenté, en fait. J'ai fait n'importe quoi. Ensuite, je vais prendre le fard White Decay. De toute façon, vous les voyez, hein, c'est tous les fards qui sont creusés que j'ai utilisés. Celui-ci, il est lumineux. Alors là, je vois qu'il est poudreux. J'ai des chutes. Hein. Je le mets en coin interne jusqu'au milieu de la paupière, à peu près. J'ai vachement de chutes. Je le trouve toujours beau, ce fard, en fait. Hein. Puis c'est quand même bien pigmenté. Parce que là, je rappelle que j'ai poudré ma base. Hein. J'ai plein de chutes. Mais ça accroche bien. Je suis en train de me demander avec quoi je fonçais parce qu'il est pas, il n'y a pas de fard foncé creusé. Mais en fait, c'était peut-être lui mon fard foncé. Là, moi, je vais foncer avec le fard Busted, celui-là. Même si je sais que c'est pas celui-là parce que je l'ai quasiment jamais utilisé, c'était trop foncé. Je vais en prendre un tout petit peu avec mon pinceau estompeur et je l'applique au niveau du coin externe. Là, ouais, je suis clairement plus partie sur un maquillage plus soirée pour moi à l'époque. Hein. Et alors, au niveau du rat de cils, c'était le fard Tease. Peu importe le maquillage. C'était toujours le fard Tease, celui-ci. Et l'étape que je faisais tout le temps, d'où le fard le plus creusé ici, je prenais ce fard-là. C'est le fard Beauty Call. C'est un fard un peu irisé, beige irisé, et je le mettais sous le sourcil. Ensuite, je passais direct au mascara. J'ai pas acheté le même mascara, parce qu'à l'époque, je prenais le volume Million de cils de L'Oréal. J'allais pas racheter L'Oréal, mais je me suis souvenue d'un mascara que j'ai jamais eu. Hein. J'ai jamais eu parce que ça faisait partie des produits qu'on trouvait que aux États-Unis. Moi, je suis jamais allée aux États-Unis, du coup, j'ai jamais pu l'avoir. Maintenant, je me rends compte qu'on a accès à tout quasiment. Alors qu'avant, bah, ce qui était aux États-Unis, c'était aux États-Unis. Il fallait aller aux États-Unis pour l'avoir. Sinon, il fallait passer par Chipito, enfin, toute une galère. C'était le mascara CoverGirl. Donc là, du coup, je l'ai acheté. On va voir s'il est si bien que ça. En fait, ça m'a fait penser à la brosse du volume Million de cils. Et puis, tout le monde en parlait. J'en rêvais de ce mascara. Donc là, moi, je l'ai pris en waterproof. Je l'ai acheté sur Amazon. Je vous mettrai le lien si vous voulez en barre d'infos. Pourquoi je l'ai pris en waterproof? Parce que pour... je crois qu'il coûte... presque une vingtaine d'euros hein, sur Amazon. Je voulais pouvoir m'en servir en vrai. Je voulais que ce soit un mascara qui tienne la courbure, que je vais pouvoir utiliser au quotidien. Vous savez qu'au quotidien, je porte que du mascara waterproof. Je me recourbais pas les cils. J'avais pas encore compris que c'était indispensable pour moi. Mais là, je vais me recourber les cils. Hein. Je peux pas. Maintenant, je peux plus. C'est un indispensable de me recourber les cils. 10 ans plus tard, il est enfin entre mes mains. Au niveau de la brosse, du coup, ça doit être ouais, une brosse en silicone comme ça. Assez épaisse, ça peut être pas mal. Aujourd'hui, j'aime quand c'est plus volumineux, quand ça dépose
plus de matière quand ça charge vraiment. Mais là, ça fait vraiment un aspect bien séparé, bien allongé, sans paquet. J'en ai mis un peu sur ma paupière, mais c'est que je suis pas habituée à ce mascara. Et je trouve qu'en fait, ça fait vraiment l'effet, l'effet que j'aimais bien à l'époque, l'effet volume million de cils. C'était un peu le même genre de brosse, une grosse brosse avec des petits picots, mais il existe toujours. Hein. En fait, je trouve que la brosse, elle est trop essorée à mon goût. Ça dépose pas assez de matière. Ok, j'en ai foutu un peu partout. Bon, je suis pas convaincue du mascara. Peut-être qu'à l'époque, je l'aurais aimé. Franchement, je l'ai carrément travaillé. J'ai pris du temps pour le travailler. Et c'est pas dingue. La dernière étape, c'est les lèvres. Je maquillais très peu mes lèvres. C'était pas une partie que j'aimais trop maquiller. Par contre, quand j'ai découvert ce truc de LF... Oh, j'ai galéré aussi à le retrouver. Pareil, Vinted. C'est les Liquid Lipstick. Alors par contre, c'était pas du tout cette teinte. C'était un rose bébé. Et ça, c'était un truc que je mettais dans mon sac. Et du coup, je le mettais un peu comme si c'était un baume à lèvres. On a une petite mousse ici, en fait. Et là, il faut tourner. Et il y a la matière qui va sortir ici. Vous allez voir. Vous voyez comment je l'ai déjà carrément remonté. C'est toujours pas sorti. Ça sort. Il y a le produit qui sort. J'avais jamais fait attention que c'était marqué liquid lipstick parce que j'ai regardé, je croyais que c'était des gloss, mais du coup j'espère que ça va pas être trop intense. Bah non mais c'est des gloss, d'accord. Ah non, c'était pas ceux-là qui sentaient la menthe, c'était les doubles embouts. Ceux-ci sentent un peu le... ils sentent un peu la poupée Corolle. Voilà, là du coup ça a apporté un petit côté rosé. Pour moi c'est quand même pas un rouge à liquide. Hein. Non mais franchement ça je vais m'en resservir en gloss, ça passe bien. Je croyais que c'était hyper collant. C'est pas une huile mais c'est quand même pas hyper collant. Bon bah voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Du coup j'attends vos retours en commentaire. Dites-moi quels sont les premiers produits make-up que vous avez achetés. Ah oui, il y avait aussi Agnès B, enfin le club des créateurs de beauté. Ma mère commandait, du coup j'avais, enfin je lui piquais ses produits. Mais dites-moi par quel produit vous avez commencé de vous maquiller, que ce soit il y a 20 ou 30 ans ou il y a 2 ans. Dites-moi tout ça en commentaire, en tout cas moi je suis très contente d'avoir fait cette vidéo. Ça faisait hyper longtemps que j'avais envie de la faire, donc je suis très très contente. J'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et puis bah du coup moi je vous dis à la semaine prochaine, on continue avec la petite série déménagement. Bye.